Hey Steve, j'aurais besoin de toi pour écrire, enfin pour m'aider à écrire un nouveau court-métrage, surtout pour les dialogues. Ok. Donc, ça commence dans la chambre où Maxime et Steve disent n'importe quoi. Et l'autre fois, j'ai vu Pinou, il était à la piscine et il m'a dit qu'il t'aimait bien. Ah ouais, moi j'ai vu un éléphant faire de la luge. Ça me rappelle mon enfance. Ouais, je me rappelle quand un dinosaure faisait du skateboard. Soudain, Delsolus fait une entrée fracassante. En fait, il rentre en mode machiavélique. Bon, on va dire qu'il apparaît comme ça. Il sort alors une phrase de vieux loup de mer. Moussaillon, tirez donc ce rideau. Delsolus sort alors une blague. C'est Toto qui va à la messe qui... En fait, il raconte une anecdote drôle. Eh, hey, tu sais, l'autre jour, j'ai tué quelqu'un d'une balle en pleine tête. Son cerveau, il est sorti de l'orbite de son œil. Il a attiré jusqu'à la basket du policier qui était juste à côté. Et franchement, j'ai pas pu m'empêcher de rire. Puis Maxime lui pose une question. Combien font 2 plus 2 C'est outré. Et tu, Steve, avec un headshot. Mais comme dans Skyfall, Maxime attend le dernier moment pour utiliser son coup de boule magique pour faire propulser Dell sur le lit. On retourne sur Steve qui se fait un Pepsi quand Dieu du tonnerre fait un jumpscare. Ah, il lui fait alors une révélation. Je suis ton coiffeur. Non, c'est pas possible. Steve lui crache à la gueule, le tuant sur le cou. Putain, le crash up team racing, ça marche toujours. J'ai le cœur qui bat au ralenti. Et comment ce combat entre Maxime et le guerrier d'été qui... Mais il n'était pas en prison. Oui, mais sa bande de mercenaires surarmés l'a fait sortir. Oh, déjà que Dell avait ses truands, alors que maintenant, mon moi du futur a des mercenaires maintenant. Oui. Maxime sort de la magnétique boss et commence à contrôler les guerriers de l'été. Entre temps, elles sont les Et alors, les gonzesses, oh là là. Si vous voulez me dire bonjour, moi, Delsolus. Vous composez le 3615028 et vous dites Tété. Mais bon, de retour au combat, Max et le Steve du futur s'affrontent. Et le générique se déroule durant la baston. Fin. Alors Steve, tu trouves comment l'histoire? Ouais, le scénario est bien, c'est sérieux et logique. Ouais, mais j'imagine déjà le titre du court-métrage. L'écriture du script. C'est normal que la cam est en train de tourner. Ah ouais, je cherchais depuis le dernier sketch. Ça va, Steve ? Ouais. Ah. J'ai une idée. Je vais écrire un nouveau court-métrage. Et j'aurai besoin de toi pour m'aider, tu sais, pour les idées, surtout pour les dialogues. Ok.
Hey Steve, je vais écrire un nouveau court-métrage. Quoi? J'ai rien fait. Non, non, c'est pas toi. C'est juste, je me suis rendu compte que mon jeu d'acteur là était plus que pourri. Steve, je vais écrire un nouveau court-métrage. Attention, 3, 2, 1. Quoi? Je l'ai senti là se retenir de rire. Hey Steve, je vais écrire un nouveau court-métrage. Et j'aurai besoin de toi pour les idées. Ok. Et surtout pour les dialogues. Ok, ok. Et surtout pour la femme de ménage. Ok. Oui. Oui. Tes nouvelles lunettes. C'est déjà raté, c'est ça? Oui. 5, 4, et action. Hey Steve, je voulais te dire un truc, je vais écrire un nouveau court-métrage. Et j'aurai besoin de ton aide. Mm-hmm. Ok. Donc, surtout pour les dialogues, donc, ok, hein? Ok? Ok. Ok. Voilà. Donc Steve, oui. J'ai besoin de toi pour écrire un nouveau court-métrage. Ok. Donc surtout pour les dialogues. Oui. T'as pas remarqué un problème? Oui. Au même moment, Roger et Pipinocchio regarde la télé, ce qui cause la destruction de Raccoon City et commence le combat entre Maxime et le gardien d'été qui... T'as compris? Ok. Non mais ça me rappelle. On entend des studios. Ok. Tac. Alors... Déjà, déjà, ça le faisait mal dès que tu fais. Comme si c'était écrit sur le truc. Putain, j'ai un truc de mémoire. Ouais, je trouve le... Putain de temps. Ouais, je trouve le scénario bon.